Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois pour tenter de répondre aujourd'hui à trois questions posées par nos amis internautes. Bien, d'abord Mohamed qui précise la situation d'un contribuable qui est suivi au régime de l'IFU en 2020. Puis il précise que suite à un contrat qu'il a décroché avec une société importante, il va probablement dépasser de loin le seuil du chiffre d'affaires de 15 millions de dinars. Donc les questions que pose notre ami Mohamed sont d'abord, est-ce que ce transporteur peut opter pour le régime du réel aujourd'hui en août 2020? Deuxième question, comment va être imposé l'écart entre le chiffre d'affaires définitif qui sera connu à la fin décembre 2020 et le chiffre d'affaires prévisionnel, sachant que nous avons dit le chiffre d'affaires, le seuil du chiffre d'affaires de 15 millions sera dépassé de loin. Et troisième et dernière question, est-ce que ce transporteur pourra facturer la taxe sur la valeur ajoutée à ce client important, sachant que c'est ce dernier qui l'exige de lui? Parfait mes amis, répondons dans l'ordre à ces trois questions. Est-ce que ce transporteur pourra opter pour le régime du réel aujourd'hui? Comme vous le savez les amis, on ne peut opter pour le régime du réel que dans deux circonstances. D'abord, en commençant l'activité, un contribuable peut opter pour le régime du réel, bien entendu, dès le départ, mais bien entendu, cette option est irréversible, est irrévocable, c'est-à-dire que le commerçant, le contribuable ne pourra plus revenir au régime de l'IFU durant toute la vie, bien entendu, de la société. Donc, deuxième circonstance, mes amis, si à un moment donné, vous souhaitez, par rapport aux avantages qu'offre le régime du réel, basculer vers ce régime, vous avez la faculté d'opter, bien entendu, de basculer vers le régime du réel, mais à condition d'introduire votre demande avant le 1er février de la première année au titre de laquelle vous souhaitez être au régime du réel. Donc aujourd'hui, nous sommes, si vous voulez mes amis, le 17 août 2020, nous ne pouvons plus introduire notre demande d'option pour le régime du réel. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de continuer suivant le régime de l'IFU jusqu'à la fin 2020. Bien entendu, si nous souhaitons basculer vers le régime du réel plus tard, nous avons la faculté d'introduire une demande d'option avant le 1er février 2021. Bien entendu, troisième et dernière question, est-ce que ce transporteur pourra facturer la TVA à ce client important qui l'exige de lui? Eh bien, mes amis, il faut revenir à l'article 64 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires qui interdit aux contribuables placés sous le régime de l'IFU, bien entendu, de facturer cette taxe. Et bien entendu, quelles sont les conséquences de cette facturation de la taxe? Bien entendu, il faudra la reverser naturellement. Et puis, le contribuable s'expose, si vous voulez, à une amende pour autant d'infractions qu'il aura commises, c'est-à-dire à chaque fois qu'il facture la TVA sur une, bien entendu, sur un document, il y a une amende qui peut aller de 500 dinars jusqu'à 2500 dinars. Et bien entendu, le reversement de la TVA est évident, sans pour autant pouvoir déduire la TVA que le transporteur a lui-même avancé en amont. Parfait. Deuxième question, mes amis, elle est posée par notre ami Nassera qui demande, est-ce que je dois mentionner la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture de cession des matériels d'occasion? Comme vous le savez, mes amis, en Algérie, du moins selon le droit algérien, comme ce matériel d'occasion n'a pas été acquis dans l'intention de le revendre, mais d'être utilisé en interne, bien entendu, si la cession intervient, il n'y aura pas de taxe sur la valeur ajoutée qui sera, bien entendu, facturée au client qui va acquérir, bien entendu, ce matériel d'occasion. Mais, bien entendu, le cédant, il doit reverser la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé, bien entendu, cet équipement
dans la limite, si vous voulez, de la fraction relative au nombre d'années restant à courir. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle la règle du prorata. Je vous donne un exemple, mes amis. Vous avez acheté, on va dire, un camion en octobre 2018 et vous l'avez cédé, on va dire, en avril 2020. Donc, vous savez, octobre 2018, ça va être considéré comme une année entière, même, bien entendu, si la cession, plutôt même si l'acquisition est intervenue durant le mois d'octobre. Puis, l'année 2019 sera considérée comme année entière, et enfin, l'année 2020 exactement sera également considérée comme étant entière, même si la cession est intervenue en avril. Donc, nous avons, on va dire que nous avons conservé le matériel pendant 3 années, donc nous devons reverser la TVA à concurrence de 2/5. Un détail, mes amis, et quel est le sort, quelle est l'imputation comptable de cette TVA que ce commerçant va devoir reverser au Trésor public? Eh bien, c'est simple, il suffira de l'imputer, il suffira de l'affecter, si vous voulez, à la valeur du bien, c'est-à-dire au coût d'acquisition du bien, de manière à soit réduire la plus-value de cession ou alors à aggraver la moins-value de cession, si c'en est une. Parfait, mes amis. Maintenant, il nous reste une troisième et dernière question. C'est Mehdi qui pose la question suivante. Quelles sont les conséquences du règlement des factures en espèces? Cette question, mes amis, a fait couler beaucoup d'encre. Nous allons tenter de répondre, si vous voulez, à certains aspects. D'abord, nous allons traiter cette question du côté du fournisseur. Quelles sont les conséquences pour un fournisseur, si vous voulez, qui se fait régler ses ventes, si vous voulez, en espèces, c'est-à-dire en cash? Eh bien, mes amis, il n'y a pas réellement d'incidence du point de vue fiscal, bien entendu, à l'exception de la perte de la réfaction pour les commerçants grossistes. Comme vous le savez, les grossistes bénéficient d'une réfaction de 30%, mais à condition que le chiffre d'affaires soit réalisé, bien entendu, par banque ou par d'autres moyens scripturaux. Nous allons revenir sur ce concept. Donc, c'est le seul risque que peut encourir, si vous voulez, un commerçant qui se fait régler ses ventes, on va dire, en espèces, puisque si vous êtes vous-même, j'allais dire, un producteur, comme vous le savez, le taux de la taxe est de 1% sans réfaction. Et bien entendu, pour les entreprises de travaux bâtiments, comme vous le savez, c'est 1,5%, c'est 2%, bien entendu avec une réfaction de 25%, donc c'est ramené à 1,5%, bien entendu, il n'y a pas d'incidence également. Maintenant, revenons du côté du client. Qu'est-ce qu'il encourt, si vous voulez, à quel risque s'expose en quelque sorte le client qui règle ses factures en espèces? D'abord, vous avez, mes amis, en matière d'impôt direct, si un commerçant règle ses factures en espèces, bien entendu, il risque, bien entendu, de perdre en quelque sorte le droit à la déduction des charges payées en espèces lorsque leur montant dépasse 300 000 dinars en TTC. Donc, rappelons-le, c'est l'article 10 de la loi de finances pour 2018 qui a modifié l'article 169 du code des impôts directs. Ceci, c'est du point de vue perte de la récupération de la charge en matière de TVA, mes amis. C'est l'article 30 du code des taxes sur le chiffre d'affaires qui nous interdit de récupérer la TVA sur les factures réglées en espèces lorsque le montant en toute taxe comprise dépasse 100 000 dinars. Donc voilà, si vous voulez, les risques que vous encourez si vous réglez, bien entendu, vos factures en espèces. Maintenant, mes amis, il y a un cas particulier, bien entendu, qui revient assez souvent chez les praticiens, les comptables et les fiscalistes. Est-ce que les versements effectués au compte bancaire du fournisseur, bien entendu, sont imposables ou non au droit de timbre? Eh bien, mes amis, la loi fiscale, article 258, 4, bien entendu, le précise nettement, d'accord? Il vous dit non, ce n'est pas soumis au droit de timbre, d'accord? Parfois, il y a une confusion avec un autre article, l'article 258 bis, qui exonère du droit de timbre le reçu, bien entendu, délivré par le banquier, mais l'article 258,
indicateur, il est clair, c'est le timbre de quittance qui est exonéré sur les ventes réalisées, si vous voulez, par versement bancaire, si vous voulez, au compte du fournisseur. Rappelons, mes amis, quels sont les moyens scripturaux, c'est-à-dire de scriptura, ça veut dire écriture. Donc, les moyens scripturaux généralement admis sont définis au décret exécutif 1553 du 16 juin 2015, fixant les seuils de paiement devant être effectués par les moyens scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers. Donc, ils sont précisés, mes amis, dans ce texte comme étant d'abord le chèque, le virement, la carte de paiement, le prélèvement, la lettre de change, le billet à ordre et enfin tout autre moyen scriptural reconnu par la loi. Donc voilà mes amis, j'espère avoir brossé un petit peu les choses, avoir donné des réponses convaincantes. J'espère vous retrouver d'ici là dans de nouvelles vidéos. Comme celle-ci, vos questions nous instruisent tout le temps parce que la question est plus importante mes amis que la réponse elle-même, parce que c'est la question qui nous incite à la réflexion, c'est la question qui nous incite au raisonnement. Allez, mes amis, passez une excellente soirée en attendant de vous retrouver. Au revoir.